Tu vas faire 4 coups sur celle-là. À l'autre petite boule. Okay. Ouais. Ici, 2 fois. Okay. Ici, 2 fois. Puis après ça, tu lâches tout. Puis tu fais la grosse corde à vide. Si on soulevait la poussière. Mon nom est Yasmine Leclerc. Je suis technologiste médicale, mais aujourd'hui, je suis chanteuse. Les qualités requises pour faire mon métier sont d'abord et avant tout la précision, la minutie. On travaille beaucoup en équipe et puis le professionnalisme aussi est très important. Une technologiste médicale, pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui probablement travaille dans un laboratoire à l'hôpital puis qui va faire des analyses de prise de sang, peut-être pour voir des dépistages là, de bactéries ou virus. OK. OK. Moi, je vais t'emmener dans mon domaine puis je vais te montrer qu'est-ce qu'un technologiste fait. C'est vrai? OK. Oui. Donc, pour respecter les normes de biosécurité, il faut mettre un sarrau avant d'entrer dans les labos. Je suis contente de l'entendre dire. Là, qu'est-ce que tu vas me faire faire, là? Ah, j'ai peur. Donc, ici, c'est la tente anaérobique. En fait, c'est un milieu qui est gardé sans oxygène. Ouais, puis c'est là, pas évident. On va vider l'air. Quand t'es toute seule, tu fais quoi? Ouais, t'arrives à te débrouiller parce qu'il y a personne pour t'aider. Une journée en tant que technologiste médicale commence par la réception des spécimens. Donc, on s'assure que les spécimens concordent avec le nom des patients. Ensuite, tout dépendant des analyses demandées par le médecin, on fait plusieurs tests, dont les grammes, les colorations. On utilise la tente anaérobique. En fait, une journée est assez bien remplie et on est beaucoup stimulé dans le domaine. On arrive au banc des colorations. Donc ici, on a des lames... On voit qu'il y a du vécu ici, là. Oui. Okay. Ici, on a des lames de patients. Ah, okay. Donc dans le fond, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est les colorer. On lui pitche un peu de peinture, puis on check voir ce exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement. OK, c'est ça. À la fin de la coloration, tout dépend du type de bactéries que le contient le spécimen. On va avoir des bactéries roses ou bleues. Alors, nous, on les colore pour pouvoir les voir ensuite au microscope. Ah! Bon, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a comme un début de quelque chose. Oui, donc ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans un prélèvement sanguin de patient. Ce qu'on fournit comme résultat au médecin, c'est très important parce que ça aide le médecin à fournir un diagnostic précis et à trouver aussi de la médication s'y adapter à chaque patient. Alors, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, si vous vous trompez, vous autres ici, là. En fait, si on se trompe ici, le médecin se trompe de maladie, se trompe de médication et ça peut avoir des effets quand même assez graves sur les patients. Donc, c'est important d'être précis. C'est un moment charnière. Oui. Ça ressemble à une bébite pareil. Hein? Ben moi, je suis vraiment content d'avoir visité ça. Puis je peux t'assurer que ça confirme le fait que je ne pourrais jamais faire ce métier-là. J'ai pas ce côté rationnel-là. Puis en même temps, je trouvais ça tellement stimulant. T'sais, moi, je peux quand même me tromper de note, puis ça passe presque sous silence. Vous autres, vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. Mais c'est mon métier. Voilà! Ben, merci. Puis merci à vous à tous. Toi.